L'enregistrement, je pourrais Voilà. l'avoir après. Bon, bonjour Jeanne, oui, bien sûr. Bah, de toute façon, tu l'auras sur YouTube. Donc, bonjour Jeanne et bonjour Emmanuel. Bonjour Pascal, bonjour Emmanuel. Donc, je t'ai présenté Bonjour. Emmanuel qui va travailler pour toi pour ta session. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Voilà, donc, bah, écoute, je t'invite à nous exposer les points sur lesquels tu veux travailler. Nous t'écoutons. Voilà. Bon, bah, je suis de nature optimiste, speed. Bon, apparemment, ça doit se voir parce que je parle toujours très vite. Je suis par conséquent toujours très fatiguée. Je ne m'aime pas. Quand j'étais enfant, je ne me suis jamais sentie aimée. Jamais de cadeaux, jamais de tendresse, jamais de câlins. J'étais toujours la cinquième roue du carrosse. Je me faisais tout petite. Si on pouvait m'oublier, ça m'arrangeait. À l'âge de 10 ans, je me suis blessée dans le bas du dos. Et c'est là que les problèmes ont commencé. J'ai commencé à avoir mal dans la colonne vertébrale, dans le ventre, dans les jambes. Et De voilà, quelle manière tu j'ai. t'es blessé? Tu t'es blessé de quelle manière de dans le bas Je du me dos? suis. Je voulais m'asseoir sur une planche qui était assez haute et je me suis cogné le bas du dos sur la planche. Disons que je ne me suis pas levé assez, je me suis cogné le bas du dos. Je me suis déplacé une vertèbre à ce moment-là, elle a été remise. J'avais 40 ans. Donc, bah, finalement. Pendant 40 ans, ma vertèbre a été déplacée et ça a posé beaucoup de problèmes. J'ai aussi une jambe plus courte. Ça, c'est d'origine familiale, la jambe gauche. Tu veux qu'on raccourcisse l'autre? Non, je Je rigole. rallonger ça. Je ne sais pas. Enfin, disons que c'est d'origine familiale, c'est surtout ça que je ne la comprends pas beaucoup. Disons que j'aime. J'aime bien la solitude, disons que ça me permet de m'échapper en fait sur Terre, parce que sur Terre je suis pas bien. Je trouve que c'est trop matériel, c'est trop superficiel. Tout ce qui est sur Terre, ça me plaît pas particulièrement. Ensuite, il y a un rêve que j'ai fait souvent. Je monte les escaliers et quand je suis arrivée presque en haut, je suis aspirée vers l'arrière et je tombe à la renverse. Ce rêve, je l'ai fait très souvent. Et dans ma vie, ça se passe pareil. Disons que quand j'arrive enfin à faire ce que je veux, il y a quelque chose qui se passe et tout tombe à l'eau à chaque fois. Ben Bien c'est ça, sûr. oui. Donc, ton rêve est éloquent, hein. Donc, tu as déjà tes réponses, je pense, là. À présent, ben oui, mais pourquoi toujours? Voilà. Pourquoi cette situation? Ben ça, à mon avis, on va trouver une cause commune à beaucoup de choses, hein. Voilà. Oui, je pense qu'il y a de grandes chances que c'est la même cause pour tout, mais enfin. Il y a 5 ans, je me suis fait initier Reiki. Donc, tout marchait très bien, en pleine forme, super, en pleine santé. Et ben, là, on m'a dit diagnostiquer un cancer du sein. Tout allait bien, je me suis fait opérer, tout allait très bien. Mais je n'ai pas su refuser la chimio. Et la chimio m'a bousillé complètement la santé. Donc là, ça a été les intestins qui ont lâché. Je me suis retrouvée avec une colostomie, un pneumothorax, une septicémie. Là. Problème cardiaque, enfin bref, le corps il a lâché Attends, complètement. tu peux me redire, ça t'a causé quoi alors? Les intestins qui ont explosé, je me suis retrouvée qu'une colostomie, une poche intestinale en fait. D'accord. Donc septicémie au-dessus, pneumothorax, arythmie cardiaque. Alors, attends, septicémie. Tu m'excuses, je note très lentement, hein. Oui. J'ai pas de formation de secrétaire. Moi, je suis de nature speed, alors je finis en général avant que les gens commencent à réfléchir. Alors, septicémie, moi je suis Pascal, tu comprends donc. Alors, Septicémie, pneumothorax. Pneumothorax, enfin bon, C'est arrivé d'accord. dans les poumons. Disons que ça a traversé les intestins, c'est arrivé dans les poumons. Des problèmes cardiaques, l'arythmie suite aux opérations, je ne supporte pas les anesthésies. Mais ça, les médecins ne veulent pas savoir. Enfin, les médecins et moi, on ne fait pas bon ménage parce qu'ils ne veulent pas m'écouter. Et en général, ils essayent de me tuer. D'accord, bah, ils n'ont pas réussi encore. Non, mais je crois que je dois être protégée là-haut. Sinon, ils y sont arrivés. Donc là, j'ai problèmes de cœur, d'arythmie, de fibrillation auriculaire et des problèmes de foie qui fait que ben, je ne peux plus manger ce que je veux. Donc, j'ai D'accord. failli en mourir. Évidemment, là à l'hôpital, ils me voyaient partir, quoi. Et j'avais, mais à ce moment-là, les amis de Reiki que je venais de, qui m'ont envoyé beaucoup d'énergie, et ma sœur qui est guérisseuse, qui elle appelait les aides divins pour m'aider aussi à ce que je m'en sors.
je m'en suis sortie, toujours miraculeusement, parce que chaque fois que j'arrive en bas, il y a toujours quelqu'un qui me remonte, en fait. Donc, je passe toujours d'un extrême à l'autre. Ma vie, c'est montagne russe. Je suis prête à mourir, je suis en pleine santé, je suis prête à mourir, et c'est comme ça sans arrêt. J'ai aussi eu 6 poches de sang, donc 6 énergies différentes. On Quand t'a je donné du... reçois un... Ah, on t'a donné du sang extérieur, t'as reçu du sang. Oui, du sang extérieur, oui, 6 poches de personnes différentes qui sortent. Ah oui, t'as eu un sacré cocktail là. Ah oui, bah là, je pense que c'est encore toutes des énergies qui n'ont pas dû... Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas les donneurs. Et quand je reçois un soin énergétique, à chaque fois, j'ai un contre-coup. C'est-à-dire que dans les jours qui suivent, je vais faire de l'hypertension ou il va me tomber quelque chose sur les oreilles, mais à chaque fois, il y a quelque chose derrière. Bah, c'est souvent la métabolisation, c'est ça. Tu verras ta séance, c'est la même chose. Quand tu vas avoir ce soin-là, tu as des effets de métabolisation où tu as des symptômes qui se réveillent, des états qui s'amplifient. Enfin, ça, c'est normal, hein. Oui, c'est pas le côté symptôme, c'est pas le côté ça me dérange, c'est le côté mon corps et mon cœur commencent à plus supporter les chocs, en fait. C'est surtout ça qui me dérange. Il y a D'accord. 6 mois, comment? Non, non, rien, je t'écoute. Je parle tellement vite que j'ai du mal à entendre ce que vous dites. Il y a 6 mois, j'ai été voir un énergéticien qui m'a dit qu'il avait enlevé un serpent dans mon ventre et 2 ou 3 œufs. Vous voyez, en petite fille abandonnée et aussi en combattant qui ne voulait pas lâcher son épée. Bon, ça, je ne veux pas trop le savoir. Parce que voilà, je ne veux pas influencer la séance et on verra bien les informations qu'on a de notre côté, tu vois. D'accord. Ah bah, il y a peut-être encore, ou au contraire, il n'y a plus, hein, je ne sais pas du tout. Depuis mon enfance aussi, je n'aime pas dormir, je refuse de dormir. Pour moi, dormir... Ça ne me va pas, ça ne fait pas partie de ma nature. Donc, si bien que ben, je commence à m'endormir à l'heure où il faudrait que je me réveille parce que ben, là, je suis épuisée, donc il arrive un moment où fatalement, je m'endors. Mais je n'aime pas dormir, je n'ai jamais aimé dormir et aller me coucher pour moi, c'est un supplice. J'ai une D'accord, et question. mais tu te couches quand même alors? Ah oui, mais ça va tourner en boucle et pour moi, je travaille 2 fois plus quand je suis couchée pour dormir que quand je travaille. Donc, ben, quelque part, je préfère rester à travailler que d'aller dormir. C'est le moment où le cerveau il se met en route et c'est pas possible de dormir. Donc pour moi, c'est plus gênant. En fait, disons, je suis hypersensible et tout ce que j'ai pu vivre dans la journée, petite contrariété, mais alors quelquefois vraiment minime, va me travailler toute la nuit. Ce D'accord. côté hypersensible, plus que désagréable, à cause de ça, quoi. D'accord. Donc, Et donc ta solution, c'est de pas dormir alors. ben, disons que. C'est pas. Disons que je suis trop énervée pour dormir. Je veux Ah. faire autre chose. Ah oui, d'accord. Donc pourquoi je veux pas dormir? Après, j'ai l'impression aussi que j'ai pas le droit de dormir. J'ai pas travaillé assez. J'ai pas la permission de dormir non plus. Donc fatalement, j'ai toujours l'impression que j'en ai jamais fait assez. D'accord. Par contre, ce que je sais très bien faire, c'est m'autodétruire. S'il y a quelque chose qui va pas, j'arrive à stresser mon cœur à une vitesse catastrophique. Ça me faire du mal, je sais très bien. Me faire du bien, c'est difficile. Me faire du mal, j'y arrive très bien. On verra ça. Et disons que quand tout va bien, j'ai peur de ce qui va me tomber sur la tête, évidemment. J'ai un problème à mon œil gauche qui veut jamais s'adapter aux lunettes et qui vit pas la même chose que l'autre, en fait. Donc, pourquoi l'œil gauche, qu'est-ce qui représente? J'en sais rien du tout. Qu'est-ce qu'il a exactement cet œil gauche? Bah disons que si j'ai une paire de lunettes, l'œil gauche ne verra jamais à travers les verres. Je peux changer 10 fois de paire de lunettes, ça n'ira jamais. Donc, D'accord. ou elle est trop forte, ou elle est trop faible, ou c'est flou, mais je verrai jamais avec les lunettes. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi l'œil gauche ne veut pas participer à la vie, en fait. J'ai des gros problèmes de mémoire. Bon, ça, avec toutes les opérations, ça n'a pas aidé. Donc, quand je commence à un sujet, au milieu du sujet, je ne sais plus de quoi je parle. Donc là, il y a un trou, au milieu d'une phrase, ben, je ne sais plus la fin.
D'accord. Et quelquefois, elle revient, quelquefois, elle ne revient pas. La plupart de mes douleurs sont à droite. Bah, c'est déjà pas mal. Ah, j'ai fait un AVC il y a 2 mois. Assez minime, apparemment. Encore une fois, on m'a dit que j'étais passée par une belle porte. Voilà, donc là, c'est le plus gros. Je voulais vérifier aussi que je n'avais pas transmis toutes ces cochonneries-là à mes enfants. T'as combien d'enfants alors? Deux. D'accord. Ok. Oui, tout ce qui est traitement médicaux, évidemment, ça me rend plus malade que ça ne me soigne. Enfin, les médecins, moi, j'ai dit tout à l'heure, ça ne fait pas bon ménage, parce que bah, j'ai l'impression qu'ils veulent à tout prix me donner des médicaments et mon corps n'en veut pas. Donc, bah, je les supprime le plus vite possible. Le problème, c'est que j'y connais rien en médecine, donc je ne sais pas lesquels je dois supprimer, ce qui est Eh assez oui, compliqué. c'est sûr. Donc voilà, je voulais vérifier que je n'avais pas donné toutes mes cochonneries à mes enfants ou petits-enfants. Ça c'est J'aurais noté. aimé connaître ma mission de vie. Mission de vie. Tu n'écoutes pas mes vidéos? Ben si, 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 mais je me Et dis que alors, quelqu'un. tu crois encore à la mission de vie? Ben je n'en sais rien, je me dis que je suis sûrement venue pour quelque chose et si je ne sais pas pourquoi je suis venue, je me demande pourquoi je ne pars pas bien vite. Ceci dit, je n'ai pas l'intention de mourir. J'aimerais aussi, au point de vue couple, avec mon couple, comment ce qui marche pas en clair, pourquoi ça. Disons que c'est plus un ami, un très bon ami qu'un mari. Donc j'aimerais savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Si c'est mon D'accord. côté, si c'est son côté, je ne sais pas. D'accord. OK. Je voulais vérifier également parce que j'ai du mal à jeter. Donc, comme j'ai du mal à jeter, je voulais voir s'il n'y avait pas des objets dans ma maison qui pouvaient être négatifs pour moi. Et récemment, enfin récemment, c'est pas si récent que ça fait il y a 5 ans quand même, j'ai acheté une maison que j'ai mise en location et on m'a dit qu'il y avait un vortex dedans, un vortex négatif. Donc, j'y connais pas grand-chose. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai. Et les locataires qui sont dedans, en général, s'en vont relativement vite, D'accord. sans préciser quoi que ce soit. C'est une personne autre qui m'a dit ça. Donc, j'aimerais savoir si c'est vrai ou bien pas. Puis, bah, je crois D'accord. que j'ai bien dépassé la limite. Très bien. Ok. Est-ce que c'est bon pour toi? Je pense, oui. Bon. Très bien. Il y a assez de détails ou j'en ai donné Oui, trop, je non, non, sais pas. ça va, ça va. Non, non, c'est bon, ça va. Pas de souci. Ok. Eh bien, écoute. J'arrête l'enregistrement. Alors maintenant que tes connexions et protections sont faites, dis-moi quelle est ta fréquence. 190. Très bien. Alors je te laisse l'augmenter. Ça monte par palier. 8 000, 10 000, 12, 14. 16 800. Très bien. Alors, maintenant, connecte-toi à moi et dis-moi comment tu me vois. Deux cent soixante. Donc, je m'aligne sur toi. Oui, c'est bon. Très bien. Alors derrière ton plexiglas, tu te connectes sur Jeanne et dis-moi comment tu la vois. Je la vois sous observation, comme classée en quelque sorte dans une zone de bon objet d'étude. D'accord. C'est comme si dans l'espace terrestre, il y avait au niveau des humains plusieurs types d'énergie
qui sont classées en quelque sorte, et elle est classée dans, où elle se situe en tout cas, dans ceux qui sont faciles, entre guillemets, et, mais faciles dans le sens bon objet d'étude. Qu'est-ce qui donne cette qualité de bon objet d'étude? Qu'est-ce qui est intéressant dans son cas? C'est comme si c'est la qualité de son énergie qui est fluide, transparente et rapide. Tout ce qui est testé sur elle, les résultats peuvent en être observés rapidement. Les tests sont faciles, simples et rapides sur elle. Et qui est-ce qui fait ces études? Je la vois dans une sorte de bac qui au-dessus, il y a des grands reptiles. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors? Donc là, on est sur la partie subliminale. Oui, c'est sa partie subliminale qui se trouve là et qui est en lien direct avec la partie physique. C'est-à-dire que tout ce qui est fait sur la partie subliminale est transmis. C'est comme si la partie subliminale faisait des allers-retours entre ce lieu-là et la partie physique pour transmettre les conditions, les ordres. Alors, elle fait des allers-retours ou simplement une transmission quantique? C'est une transmission quantique, mais Voilà. oui, ça C'est pas. revient à la même chose que les allers-retours puisque l'information est transmise. Oui, sauf que dans le quantique, c'est simultané. L'aller-retour, ça demande un déplacement. Là, c'est simultané. Voilà, donc c'est quantique. Quoi d'autre alors? Sa partie subliminale, elle est comme bridée et programmée. Tout cet état-là, se reflète directement dans sa partie physique. Quand je redescends sur sa partie physique, elle est. Le mot qui vient, c'est truffée d'implants. Il y en a partout. D'accord. Bon, on va pas faire l'inventaire total alors, c'est pas la peine. Dis-moi les principaux éventuellement. Les principaux se situent sur. Le système nerveux et le cerveau, qui est comme divisé en quelque sorte en plusieurs zones, droite, gauche, ensuite des subdivisions sur chaque zone, qui elles-mêmes ont des commandes différentes. C'est comme si c'était une sorte de poste de contrôle, en fait, au niveau de sa tête, qui va permettre à partir de là d'activer les autres systèmes, les autres implants. Alors, qu'est-ce que ça lui cause comme problème alors? Ça vient régler de façon artificielle tout son rythme de vie, sa façon de penser. Ça vient régler tous les aspects de sa vie, en fait, sa façon de penser, sa façon de réagir, d'aborder les événements. Il y a quelque chose qui est coupé. Mais ça, c'est dû à ce deuxième système qui est sur sa colonne vertébrale. Ça part de l'atlas avec un lien qui va jusqu'au coccyx. Et là, c'est comme verrouillé. C'est comme si
Tu vois un piano, un octave de piano qui représenterait sa colonne vertébrale. Et chaque vertèbre est une touche. Et c'est activé en fait de la façon dont il le désire. Et c'est lié aussi aux mémoires, c'est-à-dire qu'il importe de la maintenir dans une mémoire restreinte de cette incarnation actuelle, et même encore en réduisant le champ, parce qu'elle a cette capacité, mais c'est pour ça aussi qu'elle a été choisie, d'être extrêmement rapide dans sa capacité à relier les points. Donc, l'objectif est de l'empêcher de relier ses points. Donc, il y a des notes qui sautent. Il y a des D'accord. vertèbres désactivées, le coccyx verrouillé. Qu'est-ce que ça lui cause comme problème, tout ça, alors, du coup, à part l'effacement de la mémoire? Comme des sortes de mini pertes de conscience. C'est-à-dire que ce qu'elle attribue à des pertes de mémoire, il y en a en tant que tel, mais il y a aussi des mini pertes de conscience, ce qu'elle attribue à être des pertes de mémoire. Mais en fait, c'est comme des courts-circuits qui ont été installés, ce sont des désactivations. D'accord. Mais c'est aussi un rééquilibrage, c'est-à-dire que elle est tellement rapide en fait dans son énergie, cette rapidité est utilisée et elle est suractivée. Et pour éviter la surcharge, ces désactivations sont faites, ce qui crée un équilibre artificiel qui parvient à la maintenir dans le circuit. D'accord. Donc elle fonctionne au débit, quoi. C'est ça. Donc pour faire une analogie, son haut débit est utilisé, l'énergie de son haut débit est utilisée, mais déviée et piratée. Elle n'en profite pas. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre alors de flagrant, hein, s'il y a beaucoup, beaucoup de... D'un plan, on va pas tous les nommer, ils vont tous sauter de toute manière, mais... Il y a un entrelac de fils avec des sortes de pastilles au bout. Il y en a un petit peu partout dans tous ces organes et toutes ces fonctions disséminées dans tout le corps. Et là, ça lui cause quoi comme problème globalement? C'est quasiment toutes ces fonctions organiques qui sont perturbées. En fait, tous les problèmes qu'elle nous a cités, c'est bien de ça, c'est ça? Des problèmes de santé, de dysfonctionnement. Oui, ça a des conséquences. C'est-à-dire qu'il y a comme des activateurs principaux qui sont mis en route. De là, cela génère des désordres. Et sur ces désordres-là, qui génèrent un certain type de fréquence, sont posés d'autres implants pour récupérer ces fréquences. Si on peut le comparer à une symphonie musicale, toutes ces fréquences, l'objectif est de créer en elle un maximum de notes pour pouvoir en récupérer la fréquence à son détriment. Donc des notes, tu veux dire discordantes. Oui. C'est ça. Créer des perturbations pour créer de l'énergie qu'il C'est ça. récupère. Hein? Et quand elle est à la limite de l'insupportable, il y a un rééquilibrage qui est fait. Ok. Parce que c'est un très bon élément qu'il ne faut pas perdre. Eh oui, dommage pour eux. Bon, on va arrêter l'inventaire des dispositifs, au moins que tu en vois qu'ils soient encore importants. Elle a une vis
Derrière le système visuel, il y a un système qui est vissé, mais ça s'est percé, ça s'est comme détérioré derrière l'œil gauche. Ben voilà, où viennent ces problèmes. Ok. Tu as autre chose? Principalement, D'accord. c'est ce qui vient. Alors identifie-la, regarde son ADN éthérique. Confirme-moi qu'il s'agisse bien de Jeanne. Oui, c'est elle. Très bien, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Parfait. Alors, en son nom, nous allons. Donc, déjà, tu vas faire l'inventaire de toutes les entités qui sont en lien direct et indirect avec elle. Alors, que vois-tu? Il y a ces grands reptiles que j'ai vus tout à l'heure dans ce laboratoire qui travaillent directement sur elle. Mais ils sont pas seuls. Il y a des sortes de... C'est des arcs... Ça ressemble à des araignées avec des très grandes pattes et le corps, on dirait que c'est comme si ça ressemblait à des lianes, à du bois, quelque chose de fibreux. C'est bizarre. C'est elles qui ont posé les pastilles avec les entrelacs de fil là. Oui. C'est rien leur style, ça. Il y a des gris aussi qui sont là, qui eux, c'est comme s'ils contribuaient à maintenir les conditions en place pour que les autres puissent travailler tranquillement. D'accord, il travaille pour les reptiloïdes. Oui. Les araignées sont indépendantes ou elles sont associées aux reptiles? Ils ont chacun, c'est comme s'ils se partageaient. Ils se D'accord. partageaient sa partie subliminale. Chacun son domaine, quoi. Mais ils sont en bonne entente. Oui. D'accord. Ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Non, mais pour les deux, elle est un très bon répondeur. Elle en a de la chance. Alors, qu'est-ce que tu vois d'autre comme entité? Alors, bien sûr, on englobe toujours maintenant le monde archiavélique. On remonte toujours jusqu'à la source. En arrière-plan, il y a des êtres qui flottent. Qui viennent comme surveiller ce qui se passe. Parce qu'il y a quelque chose en plus, c'est-à-dire que ces sortes d'araignées et ces reptiles sont eux-mêmes, il y a quelque chose de mécanique, mais de mécanique, d'électronique. C'est pas réellement mécanique, c'est plutôt électronique, c'est-à-dire comme si eux-mêmes étaient dirigés en quelque sorte par une, je sais pas, ça ressemble à de l'intelligence artificielle. Et qui sont ces êtres qui surveillent alors? Donc il y a ça, il y a cette intelligence artificielle qui est mêlée, qui est intimement mêlée à ces sortes d'araignées et à ces reptiloïdes, comme si ces êtres-là n'étaient pas entièrement responsables en quelque sorte ou à l'origine de leurs intentions. C'est entremêlé avec l'intelligence artificielle qui
comme si elle les avait déjà infestés. D'accord. Colonisés. Et au-dessus, en arrière-plan, il y a des consciences vaporeuses qui flottent. Et il y en a des blanches, des grises et des noires. Et de qui s'agit-il ? C'est comme des sortes de surveillants de l'espace. D'accord, surveillants de l'espace, ok. De cet espace-là, je veux dire, et de ces opérations-là. Ce sont eux qui... C'est comme si c'était les propriétaires du lieu qui mettaient à disposition cet espace-là pour que ces expériences-là, tout ce qui se passe, puissent avoir lieu. Ils sont intermédiaires entre les archontes et les autres, c'est ça ? Oui, ils prennent leur... C'est comme s'ils se nourrissaient en quelque sorte, où ça les maintient en équilibre énergétique. Le fait de permettre cela, c'est comme s'ils les avaient même attirés dans ce lieu-là, parce que ça leur apporte un bénéfice d'un point de vue énergétique. Ça contribue à maintenir l'équilibre. Mais si tu me dis que les reptiloïdes et les araignées ont de l'intelligence artificielle, ça veut dire qu'ils ont été créés. Et c'est par ces êtres-là ou par d'autres ? Non, ils n'ont pas été créés, ils ont été colonisés. Colonisés. Par l'intelligence artificielle qui gagne. Ah oui, ils se sont fait contaminer, comme un peu comme pour nous, quelque part. C'est ça. D'accord. Ah oui, ok. Très bien. Alors, à part ces êtres, tu en vois d'autres ? Enfin, même si on ne voit pas tout, ils vont tous dégager, mais... Quand je remonte sur l'arrière-plan, les nuances de gris disparaissent et on arrive sur du blanc et du noir avec des consciences beaucoup plus hautes, grandes et puissantes. Donc, archonte et archange. Oui. C'est ça ? D'accord. Ok. Très bien. Alors, donc, au nom de Jeanne, puisqu'elle m'a cédé son pouvoir le temps de cette séance, je vais déclarer qu'elle rend tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, sur les plans fractales, multidimensionnels et quantiques. Donc on ouvre un énorme portail dimensionnel et toutes les entités qui ont été vues et pas vues, en lien direct et indirect avec elles, jusqu'au monde archiavélique. Donc dégage avec tous les dispositifs qui ont été vus et pas vus. Et tout ce qui n'appartient pas au corps initial, originel de Jeanne, dégage avec. Avec les traces, les mémoires, les empreintes, les programmations, les duplications, les copier-coller, etc. Donc, je compte à 3 et tout dégage avec. 1, 2, 3. Et tout est parti. Très bien. Ok. Tu vas la scanner, vérifier qu'il s'agit, qu'il ne reste rien. Elle a du mal à s'équilibrer parce que là, elle s'était calée sur cet équilibre artificiel et là, c'est faut la stabiliser. Bon, on la met dans une bulle christique déjà et elle commence par s'enraciner. Oui, c'est fait. Et elle se connecte maintenant à sa source. Et elle va prendre l'énergie des deux plans pour se ravigorer, se nettoyer, se réparer, se régénérer et reprendre de la puissance. Oui, c'est fait. Comment tu la vois à présent ?
Elle a trouvé un équilibre précaire, mais suffisant pour le moment, mais ça ne durera pas dans le temps. Il n'y a pas besoin que ça dure. Juste le temps de la séance, ça suffira. Mmh. Très bien. Alors, scanne-la, regarde s'il reste quelque chose ou non. Quelque chose ou quelle quantité. Regarde dans diverses fréquences. Non, il n'y a plus rien. Tout est parti d'un coup. Bon, mais parfait. Très bien. Alors, on va aller chercher son soi supérieur. Tu vas me dire, je veux savoir où il réside et dans quel état il est. Il est sur le plan moron ciel. Il lui envoie des flashs. D'accord. Mais la plupart ne lui parviennent pas. Bah oui. Seulement un de temps en temps, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à décrypter le message. Bah disons qu'il a été bien interféré. Appelle son âme pour voir dans quel état elle est, là. Elle est en état de choc électrique, tétanisée. D'accord. Elle est réduite au silence dans cet état de tétanie. D'accord. Dis-moi combien est-ce qu'elle a eu de vie incarnée sur Terre, à peu près, en tant qu'humain, en 3D? Quarante-huit. 48 vies. D'accord. Et avant ces 48 vies, j'aimerais que tu ailles voir d'où est-ce qu'elle arrivait. D'où elle venait avant de venir dans cette matrice. Donc je compte à 3 et ton esprit t'y emmène. 1, 2, 3. Je vois quelque chose de rouge qui file à toute vitesse. J'ai du mal à la suivre. Tu peux ralentir l'image, hein? C'est comme une sorte d'étoile filante. Ça va très 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 vite. Et d'où est-ce qu'elle vient là? Elle traverse les univers dans une course folle. Et pourquoi faire? Il y a quelque chose qui s'est déréglé. Comme tu sais, un cheval qui s'emballe et que tu ne peux plus arrêter. Alors reviens en amont, regarde ce qui s'est déréglé. Ben, au moment de l'événement qui a créé le dérèglement. Ça m'emmène devant une pyramide de cristal. Oui, et nous sommes où là? C'est dans un univers qui n'est pas le nôtre. C'est sur une planète? C'est sur une planète. Oui. Et il y a la pyramide de cristal où elle se tient. Et il y en a d'autres. Il y a d'autres pyramides de ce même type. De ce même cristal, elles-mêmes placées, elles sont pas placées par hasard, il y a une sorte de d'alignement géographique précis. Le travail se fait sur l'énergie. On est dans quelle dimension là? Septième. D'accord. Et quelle forme tu as là, elle? À quoi elle ressemble dans cette forme de vie? Elle est semi-éthérique, c'est-à-dire semi-transparente. Elle est de nature plus. Elle est polarisée masculine. Grande, humanoïde,
Donc, proportionnellement, la tête est importante par rapport au reste du corps. La boîte crânienne est importante. D'accord. Comment s'appelle cette planète? Iria, c'est Iria. Ça s'écrit comment? Iria. D'accord. Et elle s'appelle comment? Là, ça serait plutôt lui, puisque je ressens sa Lui. polarité. Oui, quand je dis elle, oui, Jeanne. Et lui, il s'appelle comment alors? J'arrive pas à déterminer si c'est Volon ou Volonne. D'accord. Bon, on va. Je sais pas, Ben, c'est pas grave. je vois les lettres, je sais pas comment ça se prononce. C'est Volon ou Volonne. Ben, écrit, décrit, vas-y, dépêche. Volon. Ah ben, volons, volons, pas grave. C'est pas le plus important. Très bien, ce que je veux savoir, donc, qu'est-ce qui s'est passé sur cette planète avant que tu la trouves en étoile filante? Dans sa course folle. Il est en train de travailler sur les énergies. Oui. Mais ça va beaucoup plus vite. C'est comme si j'avais du mal à suivre et j'ai du mal à déterminer ce qu'il fait exactement parce qu'il n'y a rien de connu à ce que nous, on peut voir ici. Mais tu peux contrôler l'image. Tu peux faire un ralenti sur image, comme au cinéma. Tu mets une fonction ralenti, comme ça tu as le déroulé à ta portée. Il est en train de manipuler des énergies et de créer des réactions en chaîne, un petit peu comme dans ce que nous on connaît par rapport à l'énergie nucléaire, où il y a des réactions en chaîne qui se font. Oui. Là, ça serait quelque chose d'un peu similaire, sauf que ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire que l'on connaît, ça a à voir avec la lumière. C'est comme s'il crée des réactions en chaîne, mais c'est créé à partir de la lumière. Ça va très très vite. C'est dans l'immédiateté. Et qu'est-ce qui se passe alors? Il s'est passé quoi là? Dans quel but il fait ça d'abord? Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Il est dans une démarche de recherche sur l'énergie. Ok, il a réussi à avoir des résultats. Oui, le type d'énergie qu'il recherche, ça concerne les vaisseaux. Il me montre en fait plusieurs types de vaisseaux qui fonctionne avec des énergies différentes, qui a un fonctionnement différent pour se déplacer. Il est toujours en recherche dans ce domaine-là de l'énergie, C'est une sorte d'ingénieur, quoi. en quelque sorte. Ok, ingénieur scientifique. Très Et bien. là, il s'est fait, je sais pas, c'est comme s'il s'était fait éjecter. Il y a eu une sorte de dispersion. Il a fait une erreur de manip, non? Il y a eu un dérapage à un moment donné, quelque chose qu'il n'a pas contrôlé. Et je le vois littéralement éjecter et partir en geyser de particules lumineuses. Un petit peu comme un apprenti sorcier qui, à un moment donné, ne maîtrise plus l'expérience et se désintègre lui-même en de multiples particules. Donc là, quand tu vois cette boule rouge qui voyage, en fait, c'est une des particules. Exact. Donc elles sont multiples.
Oui. D'accord, et celle que tu vois, c'est la partie qui est venue sur Terre s'incarner? C'est ça. Donc il y en a d'autres ailleurs. C'est ça. Tu sais, c'est comme quand il y a un feu d'artifice qui part en de multiples gerbes lumineuses. Et ensuite, chaque gerbe soit se disperse dans l'espace, soit retombe sur le sol. Une de ces gerbes, un de ces éclats de lui-même, est tombé dans l'espace terrestre. D'accord. Donc là, sa présence sur Terre est accidentelle. Oui, parce que arrivé à proximité de l'espace terrestre, il a été comme repéré de suite par ce type d'énergie spécifique qu'il porte, que cette gerbe porte en elle. Et il a été aspiré et récupéré et de suite mis sous protection, en quelque sorte, pour utilisation ultérieure. D'accord. Et voilà. Et c'est le début des 48 vies qui démarrent. Oui. Très bien. Bon, tu vas revenir ici et maintenant. Oui. Et on va aller directement sur l'espace morentiel. On va chercher donc Jeanne avant sa toute première manifestation. Donc je compte à trois, ton esprit t'y emmène, avant toute expérience dans la forme. 1, 2, 3. Oui. Comment l'aperçois-tu là? Libre et il y a beaucoup d'énergie, ça vibre. Très bien, demande-lui si elle sait pourquoi nous sommes là. Oui. Donc, elle sait que nous allons lui proposer de recréer une nouvelle ligne de temps. Donc, pour aller directement avant son incarnation en tant que Jeanne, pour tout réinitialiser et faire de cette existence terrestre une existence pleine, entière, complète, souveraine, libre, et avec tout son potentiel d'expression, de manifestation, de création, etc. Oui. Elle est d'accord avec ça? Oui. Très bien. Alors, est-ce que le déplacement quantique lui parle? Oui. Alors, on y va à 3. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Ça simplifie la vie plutôt que de chercher des passages. Et c'est moins dangereux. Elle n'échappe pas à toutes les conditions, en fait. Très bien. Donc, demande-lui quel est son projet maintenant. Dans cette nouvelle ligne de temps pour cette vie, donc de Jeanne. De se rassembler et de faire sauter la gangue qui l'emprisonne. Ce qui va lui permettre de profiter en quelque sorte de ce plan d'existence terrestre. Parce que, au lieu de le subir, elle peut inverser en quelque sorte la donne et elle modeler son espace de vie, sa vie elle-même et sa manifestation sur ce plan terrestre. C'est quelque chose d'intéressant pour elle puisque jusqu'à présent, avant de venir sur ce plan terrestre, ça avait toujours été plus rapide dans l'instantanéité et sur des plans beaucoup plus subtils. Donc pour le soi supérieur, c'est intéressant. Très bien. Très bien de voir les choses se dérouler dans l'espace-temps, c'est ça? Oui. Plutôt que dans la simultanéité. Oui. Pouvoir apprécier, savourer et manipuler, donc les séquences.
C'est ça. Très Ce bien. qui demande un autre, ce qui demande un autre type de maîtrise qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'expérimenter auparavant. Très bien. Donc la séquentialité plutôt que la simultanéité. C'est ça. Une autre forme d'expérience. Ok. Alors c'est le moment d'entrer dans cette physicalité. Dis-moi à quel moment elle choisit d'y être à 100%. À 2 mois, Intra-utérin. intra-utérin, oui. Très bien. Elle est connectée à quel pourcentage là? À son Quatre essence. 90%. 90. Très bien. Alors, propose-lui de monter à 100%. Oui, c'est fait. Elle se crée des racines jusqu'au cœur des Gaïa qu'elle va programmer uniquement pour cette existence. Oui. Très bien, maintenant elle va regarder son arbre généalogique et elle va travailler sur son arbre, décider de ce qu'elle veut faire, si elle veut couper partiellement ou entièrement, réaménager, reprogrammer, etc. Réinformer. Tout son arbre généalogique est programmé. Elle coupe. Elle coupe, mais pas complètement parce que c'est lié aussi à la prise de conscience, au niveau de conscience de. Il y a l'arbre généalogique en lui-même et il y a les consciences qui sont posées en quelque sorte, qui poussent sur sa table généalogique. Et il y a quand même une partie qu'elle garde pour la réinformer, pour donner la chance en quelque sorte à certaines consciences qui, elles, ont la possibilité d'avoir un niveau de conscience suffisant qui permette l'intégration de ces connaissances. Très bien. Ok. Bon, eh bien écoute. Et une fois intégré, ça permet la transmutation. Et ça permet de passer aussi par-dessus les faiblesses, en quelque sorte, et les spécificités de cet arbre généalogique. Ok. Donc pour la partie qu'elle conserve, tout est transmuté. Oui. Il n'y a pas de dysfonctionnement, il n'y a pas de transmission de. Non. D'accord. Ok. Bon, eh bien, on va faire son ADN alors. Elle prend le gabarit de l'arbre séphirotique pour prendre l'exemple du gabarit initial de sa perfection pour tout refaire, installer les programmes qui lui sont nécessaires. Pour elle, elle repart de zéro, en quelque sorte. Voilà. Annuler, remplacer. Donc on élimine toutes les traces mémoire et empreintes. 1, 2, 3, sur tous les plans. C'est fait. Très bien. Elle a tout réaménagé. Oui. Donc normalement, l'ADN des humanités trafiquées, ça ne la concerne pas. Non. Très bien. Ok. Eh bien, on va aller maman. Maintenant, ça va être le moment de préparer sa naissance. Donc elle envoie de l'amour dans le ventre maternel et tout autour, et elle vient au monde. Oui, c'est fait. Elle va remonter toute sa ligne de temps maintenant jusqu'à ici et maintenant, tout reprogrammer à la lumière du rappel de qui elle est, d'où elle vient, de pourquoi elle est là. Et dans toute son entièreté, dans son unicité, dans sa souveraineté, son pouvoir créateur illimité, sa liberté et son autonomie, bien entendu, et sa puissance intérieure, et toutes ses belles qualités d'intelligence et de perception. Elle a une forte lumière, une forte puissance. Toute sa vie s'éclaire.
Donc elle relie chaque situation, chaque événement. Tout prend des couleurs des différentes, des perspectives différentes. C'est bon, elle est là. Très bien. Bon, eh bien, on va effacer. On va d'abord. Elle va entourer cette nouvelle ligne de temps d'un faisceau d'énergie, donc issu de sa propre source. Oui, c'est fait. Et nous allons effacer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur les plans quantiques, multidimensionnels et fractales. Elle va déclarer que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à cette ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les fréquences, toutes les dimensions, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes et programmation, duplication, copier-coller et tout système reproductif, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. C'est fait. À présent, elle va rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, et de manière rétroactive. C'est fait. Elle rompt avec toutes les lois matricielles et archabéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, et ainsi les lois de conséquentialité dans les conditions précitées. Oui. Elle rompt et efface avec racines et système reproducteur toutes les attaches, les liens toxiques ou non, les chaînes, les enfermements, les attachements, les dépendances, les enchaînements, dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps. Oui. Elle va effacer toutes les peurs, toutes les croyances limitantes, tous les traumatismes, tous les doutes et les pensées racines, et coupe avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie, son discernement, sa souveraineté, sa liberté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle, son auto-guérison, son équilibre parfait sur tous les plans et toutes les copies issues d'elle, où qu'elle se trouve. C'est bon. Et elle intègre dans tout ce processus tous les états de conscience. Oui, c'est fait. Elle déclare à présent, je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception et de tous mes corps est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leur organisation ou association auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. Très bien. Maintenant, on va traiter l'aspect psychologique. Alors bien sûr, tout ce qui va être dit ne la concerne pas forcément, mais tout va y être cité quand même. Alors elle va déclarer « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour de rien, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir compte, à tenir rancune aux autres et à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. Oui. Et à ne pas complètement m'aimer en plus. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire du souci et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui.
Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser et à me croire incomplète, impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et à présent, elle va déclarer, je possède une force innée qui me donne la puissance de transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. Oui. Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie et de bonheur. Oui. En me libérant de ce qui me fait souffrir, je contrôle ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que je co-crée. Oui. Très bien. Ça va être maintenant pour le pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne également en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne à tout et à tous. Au tout et à tous et pour tout. Y a un Donc, détachement, il y a quelque chose qui se détache de lourd. Ça soulage. C'est bon. alors ceci sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les vies, toutes dimensions, etc. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux et qu'il n'y a que des innocents. Compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière. Oui. Très bien. À présent, elle va déclarer, je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance dans ma légitimité divine, sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve qu'est-ce qu'elle désire conserver, si c'est juste pour elle. Et nous éliminons le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps, avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. C'est fait. Et tu vas scanner tous ces corps et tu vas rechercher donc les traçages, marquages matriciels et archaïques. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Très bien. Eh bien, donc, très bien. Alors maintenant, elle va entrer dans tous ces corps comme un téléchargement, jusqu'à son plan biologique. Donc, elle entre dans toute sa physicalité. C'est de la lumière, c'est extrêmement lumineux et c'est en forme de deux pyramides, tu sais, qui s'interpénètrent l'une dans l'autre. Merkaba. C'est très lumineux, ça tournoie. Ça vibre. J'ai une énergie, c'est incroyable. C'est bon. Très bien. Donc, elle fait connaissance de son élémental et elle va lui demander de procéder à toutes les harmonisations, guérisons, nettoyages, rééquilibrages, etc. de tous ses corps, de toute sa biologie, ses systèmes, fonctions, organes et autres. Et pour ça, nous allons connecter l'eau de son corps à l'eau primordiale. Et dans chaque molécule, tu mets une fleur de vie, graine de vie et double l'Eniscate activé.
Oui. Qu'est-ce qui se passe quand elle fait ça? Ça fait monter d'un cran le niveau d'énergie et là, ça l'a organisé, stabilisé. Très bien. Alors maintenant, elle connecte la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. Molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Proton mère au proton primordial. Oui. Neutron mère au neutron primordial. Oui. Neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Particule quantique mère à la particule quantique primordiale. Oui. Particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. C'est fait. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique. Oui. Installer un programme anti-5G et anti-Linky, etc. Enfin bref, anti-ondes destructrices. Avec bien sûr une variation, une adaptation en fonction des situations et des énergies présentes. Oui, parce que c'est comme si c'était jamais à la même fréquence, il y avait des variations. C'est ça. C'est fait. Très bien. Donc maintenant, elle va installer aussi une programmation anti-produits chimiques. Oui, c'est fait. Voilà. Très bien. Et elle va donc programmer tout ça pour rester stable dans le temps. Oui. Maintenant, elle va éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan cellulaire. Oui. Très bien. Maintenant, elle va créer et activer son code de vie. Oui, c'est fait. Alors, elle va installer l'arbre de séphirotique et l'activer dans les deux sens. Oui. Placer et activer fleur de vie, graine de vie et double lémniscate. Oui. Et maintenant, elle va travailler sur son atlas et sa colonne vertébrale. Alors, on va faire par annuler, remplace. Hein? On annule tous les anciens Oui. systèmes avec toutes les mémoires, traces et empreintes. Etc. Programmation, duplication, copier-coller sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Effacer. C'est fait. Elle fait ce qu'il faut maintenant. Elle déploie son espace. Et en fait, elle le déploie à partir de ses codes, quand elle a créé ses codes de sécurité. Ça lui permet de déployer un espace sécurisé. C'est-à-dire que ça lui permet vraiment de reprendre la main sur, sur tous ses systèmes. Elle vient. L'Atlas, c'est comme une sorte de programmation, c'est-à-dire qu'elle le dispose en fonction de ce qui lui correspond. C'est comme si par rapport à l'Atlas, il y avait c'est microscopique, mais c'est comme s'il y avait plusieurs possibilités de positionnement suivant l'essence de la personne. Donc là, elle vient placer le positionnement qui lui correspond. Et de là découle l'onde
qui passe vertèbre après vertèbre, qui vient placer, informer, relier, qui vérifie les circuits, les ouvre. Il y a tout un circuit qui se met en place, qui arrive jusqu'au coccyx. Et là, ça vient mettre en place des dossiers de mémoire. Et c'est harmonisé. Elle installe une structure harmonisée, prête à recevoir des dossiers mémoriels. Mais dans le choix et dans l'installation qu'elle a fait, elle. Ensuite, ça part plus loin dans d'autres plans. L'information se diffuse sur d'autres plans, ce type même d'organisation qu'elle duplique en fait sur les autres plans. Mais quand c'est terminé, elle dissipe cet espace sécurisé. C'est bon. Très bien. Maintenant, elle va enrouler sa colonne vertébrale d'une double spirale ascendante-descendante jusqu'au chakra coronal. C'est fait. Et nous allons travailler donc sur tous les systèmes principaux. Son élémental va procéder par annule et remplace chacun d'eux. Il va travailler dans le détail de chacun et dans son global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes, en relation, en liaison et en synergie, les uns avec les autres. Oui. Et pour ça, nous allons effacer toutes les mémoires donc des anciens systèmes qui vont être remplacés. Donc sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal, et également les traces, mémoire, empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Appuie. C'est fait. Très bien. Alors, système cérébro-spinal. Oui. Système nerveux. Oui. Sanguin. Oui. La fatigue. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Système osseux. Squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent et attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glande immunitaire hormonale. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire et évacuation. Oui. Système reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules de la peau et tissus spécialisés. Oui. Maintenant, le système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Donc, on va éliminer toutes les programmations qui sont limitantes et restrictives. Avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation. Sur tous les plans, multidimensionnel, quantique et fractal. 1, 2, 3. Il y a comme une sorte de bulle de verre qui s'est brisée. C'est bon. Très bien. Elle va activer ses sens extrasensoriels et protéger chacun des canaux. Oui, c'est fait. Très bien. Maintenant, le système visuel. Elle vient l'ajuster, le réparer. Il y a comme des... Ça a été percé
Il faut qu'elle comble les trous. Elle y apporte un jet puissant d'énergie, de réparation. C'est fait. Très bien. Système auditif. Là, elle rééquilibre parce que là, c'était à la limite de la rupture, c'est-à-dire qu'elle est comme assaillie de sons, mais qui ne sont pas audibles dans le champ des sons que l'oreille humaine peut percevoir. C'est en deçà et au-delà. Et ça fragilise. Donc là, elle renforce, elle répare. C'est bon. Système olfactif et gustatif. C'est bon, c'est rééquilibré. Kinesthésique. Oui, c'est bon. Le système dentaire avec le tableau de toutes les fonctions. Elle rebranche ce qui était désactivé. Là, il y a l'énergie qui circule, mais ça pétille dans toute sa sphère ORL, buccale, les mâchoires, les dents, les racines jusqu'à l'émail. Ça vibre et ça pétille. C'est bon. Très bien. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. C'est tout des balances, en fait, qu'elle équilibre à chaque fois. Des curseurs. Hop, hop. Oui. Le tableau général des systèmes. Oui, c'est bon. Très bien. L'ostéopathie générale. Il y a un son très cristallin sur lequel elle vient se baser en quelque sorte pour pouvoir y accorder tous ses systèmes et organes. C'est bon. Très bien. Micro-kiné. Oui. Ça rééquilibre, ça recalibre en quelque sorte tous ces corps subtils. Très bien. C'est bon. Maintenant, les chakras principaux avec les glandes associées. Chaque glande est décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Dans chaque chakra, on installe une fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. C'est fait. Chakra secondaire également. C'est fait. Chakra souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux. C'est fait. Tu en vois combien? 9, c'est-à-dire qu'il y a les 7. Et il y en a un en plus en dessous des pieds. Et un en plus au-dessus de la couronne. Très bien. Qui sont comme les 7 autres sur la même fréquence. C'est comme une sorte d'antenne, c'est-à-dire que chaque chakra est comme un des éléments de son antenne. Et son antenne est particulièrement réceptive et sensible.
c'est bon. Parfait. Maintenant, le féminin sacré, masculin sacré. Et elle va déclarer que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et la manifestation de son féminin sacré et de son masculin sacré, sur tous les plans, soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire et empreintes, système duplicatif et reproductif, copier-coller et programmation. 1, 2, 3. C'est bon. Très bien. Alors, elle va équilibrer son féminin masculin en utilisant donc l'implant neutre. Elle s'en sert comme base, d'équilibrage. C'est fait. Parfait. Alors, pendant que son élémental va continuer le travail, nous, on va aborder la liste donc de Jeanne. Oui. Très bien. Donc, elle est très fatiguée. Bon, ben là, je pense que elle comprend pourquoi. Tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Cette grande fatigue. Son énergie n'était pas ajustée à l'énergie du plan terrestre. Et ce désajustement était maintenu artificiellement pour la garder sous contrôle. Mais elle, en compensation, pour pouvoir fonctionner malgré tout sur le plan terrestre et dans sa physicalité, était en compensation permanente avec un apport d'énergie permanent. Donc le ratio était déficitaire. C'est-à-dire qu'elle est obligée d'apporter de l'énergie sans arrêt pour pouvoir compenser et fonctionner correctement sur le plan physique. Très bien. Ça, c'était avant. Oui. Bon. Alors, autre point, elle dit qu'elle ne s'aime pas. Alors, regarde. Qu'est-ce qui peut lui être dit là-dessus? C'est toujours lié à ce décalage. C'est-à-dire qu'elle n'a pas conscience. Elle est tellement occupée à compenser pour pouvoir exister sur le plan physique, qui lui paraît être un plan très lourd, très gluant même, pesant, dont elle ne comprend pas toutes les règles de fonctionnement. Elle se voit en double, en quelque sorte. C'est comme si elle observait sa partie physique et elle se demande si c'est bien elle. Il lui semble que cela ne lui correspond pas et elle n'accepte pas cette lenteur, cette lourdeur de ce plan-là. Et cette partie d'elle physique qui lui paraît lourde, lente, étrange. Elle n'a pas l'impression que ce soit elle. Et cette vision-là d'elle-même ne lui convient pas. Il lui semble que ça ne correspond pas à son essence qui, elle, est à une autre fréquence et va beaucoup plus vite, beaucoup plus fine, beaucoup plus haut, beaucoup plus rapide. Alors, c'est elle qu'elle n'aime pas ou elle n'aime pas les conditions dans lesquelles elle est? Elle n'aime pas les conditions dans lesquelles elle est et pour pouvoir vivre dans la physicalité, elle a dû adopter ces conditions-là et donc ce corps-là et elle n'aime pas ça non plus. Eh oui. Donc, elle confond entre s'aimer et aimer les conditions. C'est ça. Maintenant, elle va pouvoir s'aimer et aimer ses conditions. Maintenant, il n'y a plus cette dichotomie en fait, entre la partie physique et son essence. Puisque là, elle ne subit pas, elle choisit. Et donc, ça lui permet de transmuter, d'adapter
et de s'installer dans cette physicalité. Très bien. Donc elle choisit et elle les clés en main. Oui. Très bien. Bon. Alors à 10 ans, il s'est passé un événement. Elle a eu une blessure au bas du dos. Regarde ce qui s'est passé là. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cet événement d'où a découlé des désordres physiques ensuite? Oui, ça a été provoqué pour pouvoir la voir c'était pour bloquer en fait, pour la bloquer à un certain niveau, pour la maintenir sous contrôle. Puisqu'au fur et à mesure qu'elle sortait de l'enfance et qu'elle prenait conscience, elle est en train de leur échapper sur les plans subtils. Et ça, c'était... ce n'était pas concevable. Donc, il a été mis en place les conditions pour qu'elle soit coupée d'elle-même et qu'elle soit maintenue à des fréquences basses, à disposition. Et ça a coupé, c'est comme si ça l'avait fragmenté et ça empêchait l'accès avec son essence. Ouais, très bien. Alors donc... au niveau de ses jambes, elle a une jambe plus courte que l'autre. Regarde ce qui s'est passé. L'incarnation s'est faite sur une lignée génétique qui a déjà été travaillée et retravaillée. C'était plus facile pour eux de l'incarner sur... ce type de lignée. Ouais, elle est plus contrôlable. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose pour sa jambe, celle qui est plus courte? Est-ce que son élémental peut éventuellement, je sais pas, créer une poussée de croissance pour cette jambe en question? Je considère que tout est possible. C'est plutôt un équilibrage qu'il fait. Mmh. Parce que là, je le vois en train de rééquilibrer l'ensemble de la biologie. Alors, non pas dans le fait d'une élongation du membre en question. Parce que par rapport au temps passé dans cette incarnation-là, cette solution-là créerait plus de dommages en quelque sorte, et ce n'est pas la meilleure solution. La meilleure solution, c'est l'adaptation, la fluidité, parce qu'elle a en quelque sorte... elle s'est adaptée à cette situation-là qu'elle a fait sienne. Mmh. Donc, il convient d'adapter encore cette adaptation qu'elle a déjà mise en place. Très bien. Et c'est la meilleure solution. Eh bien, qu'elle fasse ce qu'il faut. C'est elle qui sait. Oui. Très bien. Alors, autre chose, elle aime la solitude. Elle est pas bien avec... bon, je pense que tu veux dire quelque chose là-dessus. Pas bien sur Terre dans ces conditions, évidemment. Elle est sur un plan de conscience légèrement décalé des autres êtres humains, avec un niveau de conscience qui est autre, et son essence est autre aussi. D'accord. Très bien. Alors, donc elle a été initiée au Reiki il y a 5 ans.
J'aimerais que tu regardes ce qui se passe quand elle pratique le Reiki, quand elle a été initiée au Reiki. Va voir ce qui s'est passé à cette initiation. Ça a été induit. C'est comme si l'idée lui avait été soufflée Par qui? par ces êtres qui sont au-dessus de son corps subliminal. Les entités? Oui, afin de voir de quelle façon l'énergie Reiki peut passer et de quelle façon elle circule à travers son type d'énergie qui lui est spécifique. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'en a pas eu le plein accès. Il y a une déviation qui a été faite. Quand tu fais passer à travers ton corps une énergie, elle passe par certains circuits. Et ces circuits-là, ils ont été déviés pour que eux puissent en récupérer une partie de l'énergie. C'est comme s'ils avaient créé une dérivation. Ils ont installé un circuit qui permet que l'énergie passe. Ils installent une dérivation pour récupérer une partie de l'énergie. Et à ce moment-là, ils lui induisent l'idée de faire cette activité. Ok. Donc Et quand ça leur permet de récupérer une partie de l'énergie. elle pratique du Reiki sur quelqu'un, alors comment que ça se passe? Qu'est-ce qui se passe pour la personne? Elle n'a pas tout. Elle a le circuit principal, mais les circuits secondaires, eux, sont déviés vers ces entités. Mais qu'est-ce que là, ça a des conséquences pour les personnes qu'elle va harmoniser? C'est moins puissant. D'accord. Il n'y a pas d'autres conséquences. Les gens ne se font pas interférer. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que quand je remonte, parce que là j'étais sur elle, enfin sur sa physicalité, son corps subliminal, ce qui s'est passé, mais quand je remonte sur cette énergie, elle vient directement d'un égrégore. Ah. Donc elle n'est pas. Elle n'est pas connectée à sa source, quoi. Elle C'est est pas. connectée sur l'égrégore. C'est ça, c'est pas pur. Si tu prends de l'eau, l'eau, tu peux avoir de l'eau pure, transparente, légère, cristalline, et puis de l'eau qui est chargée de quelque chose. Et Pollué. ce qui passe à travers elle, c'est de l'eau, chargée. Elle est informée, cette eau, mais c'est une analogie, l'eau, puisque là, c'est de l'énergie. Je sais pas, de quelque chose de lourd. Pas d'émotion, de forme pensée, C'est égrégore ça, quoi. parce que ça vient d'un égrégore, en fait. Cet égrégore est venu pirater quelque chose qui était comme cette eau pure et cristalline. C'est venu se greffer dessus et en modifier, en fait, la substance. Très bien. Et dans ces nouvelles conditions, dans son futur, si elle le pratique, comment est-ce que tu vois que ça se passe? En étant libre, ses canaux protégés, et en se connectant uniquement à sa source. Avant de le refaire sur quelqu'un d'autre, elle doit comme se nettoyer elle-même, vérifier tous ses canaux, le pratiquer sur elle-même. Et pour être sûr que rien ne reste de cette énergie qui venait de l'égrégore. Pour être sûr que ce qui passe à travers elle soit pur, limpide et cristallin.
Très bien. OK. Alors maintenant, attends, j'aimerais savoir, est-ce que tu invoques des guides ou des maîtres, etc., quand je te parle à toi, hein, tu me dis oui ou non. Quand tu pratiques le Reiki, tu invoques des êtres autour de toi? Non? Non, hein? D'accord. Tu appelles pas maître machin ou les anges ou archanges et tout ça? Non, que la source. D'accord. Ok. Bon. Donc, voilà. Alors, elle a eu un cancer du sein, donc avec des chimios, etc. Avec les conséquences qui en ont découlé, hein, aux intestins, poche intestinale, septicémie, etc. Est-ce que son élémental a fait tout ce qu'il faut pour tout remettre en ordre là? On va pas chercher d'où ça vient, puisque nous le savons avec tous les dispositifs. C'est pas étonnant. Tu as des choses à dire là-dessus ou Non, il y a des, c'est ce qui a été vu tout à l'heure en fait. Il y a des implants principaux et d'autres secondaires. Et chaque fois qu'il y a un déséquilibre ou une surcharge qui est faite par rapport à un implant, ce déséquilibre est repris et utilisé. C'est comme un jeu de domino en fait. C'est repris et utilisé pour ça ouvre d'autres sources, d'autres déséquilibres et d'autres sources d'énergie sur lesquelles à leur tour sont posés d'autres implants. D'accord. Bon. Donc, son élémentaire a fait tout ce qu'il faut pour tout nettoyer, tout réharmoniser, rééquilibrer. Oui. Hein, intestin, etc. Arythmie cardiaque aussi. Je pense que tout ça, le foie. Et il a visité tout ça. Oui, elle a fait le nécessaire tout à l'heure. Ok. Les séquelles de la septicémie, enfin bon, du pneumothorax. Tout est fait. Je revérifie, mais tout est correct. Très bien. Est-ce qu'il reste des traces, des mémoires ou empreintes de tout ça? Des blessures, des traumatismes? Ce niveau de l'élémental du corps qui a gardé des mémoires. D'accord. Alors on élimine tout. Avec tout ce qui est inhérent et afférent et attenant. 1, 2, 3. Avec trace, mémoire et empreinte. C'est bon. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non, c'est bon. Il y avait simplement ça dans l'élémental du corps, c'est tout. Au niveau de la chimio, est-ce qu'il reste trace mémoire ou empreinte des produits? Des traces noirâtres. Trace noirâtre. Alors on élimine. Allez, avec trait de mémoire, empreinte. Sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Il reste quelque chose? Non. Très bien. Alors, elle a une sœur qui est guérisseuse et qui l'a aidée et elle fait appel à des êtres divins, comme dit Jeanne. Regarde, connecte-toi à sa sœur. Et regarde à qui elle fait appel quand elle fait ses soins et qui vient dans ces moments-là. Elle fait appel à ces êtres qui sont au-dessus. Les entités, tu veux dire? Oui, c'est-à-dire il y a ces entités reptiliennes, arachnoïdes et cette intelligence artificielle, et au-dessus, il y a comme ces sortes de gardiens du lieu qui vont du blanc au gris ou au noir. Elles se branchent sur ces entités-là. Et quelles sont les conséquences pour Jeanne? Bon, elle dit qu'elle a été aidée, qu'elle a été guérie. Quelles ont été les conséquences pour elle? Il était nécessaire qu'elle reste en bonne santé pour que le système continue. D'accord. Donc. L'objectif étant de la garder.
de ne pas la perdre. Mmh. Elle est précieuse de par ses capacités, les possibilités qu'elle offre. Ok. Très bien. Bon, ben voilà, hein, maintenant elle sait. Faudra lui en parler à ta sœur. Hein. Alors, elle a reçu du sang à 6 poches différentes. Donc, soit éliminées toutes les connexions, tous les liens avec les donneurs. Hein. On va tout éliminer sur tous les plans. D'accord? Alors à 3. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien. Est-ce que tu vois qu'il y a encore des choses qui resteraient à faire par rapport à ce sang qui n'est pas sien à l'intérieur d'elle? Oui, parce qu'il y a comme des nouvelles créations qui se sont faites à partir de ces mélanges. Et c'est comme des tentatives d'hybridation, de création nouvelle. Bien sûr, bah oui, Comme... puisqu'il y a les informations de chaque donneur. C'est ça, comme des sortes de bourgeons. Et ça, il faut les éliminer. Bon, alors on élimine tout. 1, 2, 3 sur tous les plans, quantique, multidimensionnel et fractal. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Ni trace, mémoire ou empreinte. Non. Bien. Très bien. Est-ce que ça a eu des conséquences pour elle alors, juste pour l'information? Quelles conséquences ça a eu sur elle d'avoir ces 6 donneurs? C'est venu modifier ses informations originelles au niveau de sa biochimie, de l'équilibre acido-basique. Des glandes endocrines, de tous les circuits hormonaux, de tous les circuits d'information en fait qu'il peut y avoir dans le corps, de tout ce qui circule au niveau du sang, au niveau de la lymphe, au niveau de la moelle osseuse. Chaque cellule de son corps est venue comme elle a reçu en fait des informations brouillées. Ça a brouillé l'information. Et quelles conséquences ça a eu pour elle alors, concrètement? Un affaiblissement. Le système immunitaire a dû à chaque fois s'adapter. Et tous les systèmes de son corps, toutes les cellules ont dû s'adapter à chaque fois, ce qui a fragilisé l'ensemble et ça amène de la fatigue. Voilà. Très bien. Bon. Donc, autre point. Donc, quand elle dit quand tout va bien, en fait, elle a peur que ça ne reste pas. Donc, est-ce que tu vois une programmation là-dessus? Alors, regarde toutes les Oui. programmations limitantes dans son corps mental. Ça, c'est une programmation qui permet de la garder Voilà. prisonnière. Ok. Tu vas regarder toutes les programmations dans son corps mental, tout ce qui est limitant, tout ce qui est aliénant, tout ce qui est auto-destructeur. Concernant les programmations, elles prennent leurs racines dans le corps émotionnel. Si on compare une plante et la partie extérieure, tout ce qui est feuilles et fleurs, pour comparer à un végétal, sont dans le corps mental. Ok, alors cherche la racine émotionnelle. Cherche la toute première racine. Qu'est-ce que tu vois? C'est le sentiment d'être différent. Très bien. Ok. Donc on va éliminer ça et tout ce qui en découle sur le plan mental et sur les autres corps. D'accord? Avec trace, mémoire et empreinte, système duplicatif et reproductif, copier-coller. Et aussi sur tous les plans multidimensionnels, quantiques et fractales. 1, 2, 3. Tout est parti.
Alors, il y a les programmations dans le corps mental, s'il reste quelque chose. Non, il n'y a plus rien. Très bien. Alors, elle va se programmer elle-même. Elle va déclarer qu'elle est souveraine, qu'elle est libre et autonome, qu'elle a une puissance intérieure, qu'elle est la puissance, qu'elle a une puissance créatrice illimitée, et que tout lui est possible. Et que le bonheur, l'abondance, la joie est un état d'être naturel, et que maintenant elle l'accueille, elle l'apprécie, et elle l'assume pleinement. Oui, c'est bon. Maintenant, je veux qu'elle le ressente. Je veux garder le sentiment, un sentiment profond. Oui. Et elle transmet toutes ses énergies, ses informations à la cellule mère et qu'elle ressente tout ça dans son corps comme une sensation puissante de paix, de tranquillité, de conviction et de puissance tranquille. Oui. Très bien. Bon, alors dans son œil gauche, donc ce problème, donc nous t'en a évoqué tout à l'heure. Regarde si tout a été fait, puisqu'on a vu qu'il y avait un dispositif derrière, quelque chose. Mmh. Il y a des traces. Elle a fait le nécessaire tout à l'heure. Elle peut affiner dans la physicalité pour que ça aille plus vite. Il y a comme une sorte de plaque brouillée qui est due à un... C'est un traumatisme, en fait. Elle est encore là? Oui. Alors, on élimine. Avec trace, mémoire et empreinte, et surtout des plans. 1, 2, 3. Voilà, là, c'est clair. Donc, elle peut faire ce qu'il faut maintenant pour affiner. Créer des connexions... Et autres. Elle procède à des ajustements. Mmh. C'est bon. Très bien. Donc pour ces problèmes de mémoire, bah tu as vu tout à l'heure d'où ça venait. Tu veux rajouter autre chose? Non, c'est ce qui a été vu tout à l'heure. D'accord. Des douleurs à toutes ces parties droites. Tu as quelque chose à dire? C'est lié à une sorte de griffe métallique, mais c'est en lien avec le cerveau gauche qui envoie des pics métalliques dans le côté droit. Ça vient en fait des implants posés sur le cerveau. Ok, dans cette nouvelle ligne de temps, il ne reste plus rien. Non. Ni trace, mémoire ou empreinte. Non. D'accord. Ok. Donc, elle a eu un AVC il y a 2 mois. Mais bon, là, maintenant, je pense que tout est rétabli. Tout circule correctement maintenant. C'est dû à une sorte de... Ça s'est passé parce qu'il y a une sorte de surcharge. Quand tu sollicites trop. Le corps, l'élémental du corps se rebelle et fait comme un court-circuit. Ok. Alors, on va appeler ces deux enfants. Oui. Regarde, comment tu les vois, les deux enfants? Ils se tiennent à une certaine distance, ils observent avec curiosité. Est-ce que tu vois qu'ils sont interférés tous les deux? Pas de la même façon qu'elle, mais ils font partie de cette lignée qui est entièrement travaillée, retravaillée et interférée. Bon, fais-leur prendre conscience de la situation. Montre-leur le travail que fait leur mère et demande-leur s'ils désirent un coup de main.
s'ils veulent saisir cette opportunité. Oui. Très bien. Il me donne la permission de leur donner un coup de pouce. Oui. Ok. Alors, on va dégager toutes les entités en lien direct et indirect avec eux jusqu'au plan archiavélique et avec tous les dispositifs qui leur appartiennent et tout ce qui n'appartient pas à leur corps d'origine. Je compte à 3, on ouvre un portail dimensionnel et tout dégage avec trace, mémoire et empreinte sur tous les plans. 1, 2, 3. C'est fait. Très bien, maintenant tu leur proposes de se connecter à leur essence, à se créer des racines, travailler sur leur ADN et l'arbre généalogique. Ils regardent la séance qu'a fait leur maman jusqu'à présent et ce qui va être fait ensuite. Ils prennent tout ce qui est bon pour eux en s'inspirant de tout ce qui a été dit et déclaré. Ça leur convient? Oui. Ils ont compris? Oui, ils ont compris. On les retrouve pour la fin, à la douche finale? Oui. Très bien. Alors, la question qu'elle posait, quelle est ma mission de vie? Alors, qu'est-ce que son soi supérieur peut lui répondre à cette question fatidique? Cette notion-là n'existe pas pour le soi supérieur. C'est une programmation. C'est une programmation de l'astral, en fait, du plan astral. C'est la matrice. Mmh. C'est comme l'idée d'appeler des guides, etc. Et de croire au karma. Ok. Donc, pas de mission de vie, seulement ce qu'elle décide. Hein. C'est ça. Sachant maintenant quelles sont ses qualités, quels sont ses moyens. Et voilà, il n'y a pas de mission. Ta mission, c'est d'être heureuse et de faire ce que tu te sens inspiré de faire, tout simplement. C'est un concept qui ne concerne pas le soi supérieur. Ou de ne rien faire aussi. Tu peux seulement être. Mais bon, ne rien faire, ça n'existe pas, puisque de toute façon, on est constamment en train de créer. Puisque nous sommes des créateurs. C'est-à-dire que même en ne faisant rien, ou ce qu'on considère en tout cas comme ne rien faire, ça n'existe pas, ne Mais rien non. faire. Ben non, puisque... Il y a de toute façon des interactions qui se font entre l'essence qui est incarnée et les éléments autour de cette essence incarnée, des interactions entre les autres essences qui sont incarnées. Il y a de toute façon un travail qui se fait. Par le simple fait d'être là, présent dans l'incarnation. Voilà. Exister est déjà une action. C'est ça. Très bien, très bien. Alors, pas de vision de vie et rien de, pas d'obligation. Hein. Il n'y a rien à échouer, il n'y a rien à mériter, il n'y a rien à gagner, rien à prouver. Hein. Non. Et il n'y a pas de punition, ni de conséquence. La conséquence, c'est d'avoir porté tout ça. Alors, au niveau de son couple, son mari, donc elle dit qu'elle le considère plus comme un ami que comme un époux, que comme un amant, enfin tout ça. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans leur relation? Le terme qui vient, c'est compagnon de cellule. C'est l'entraide mutuelle entre... Incarcéré, oui. D'accord. Bon, fais-le venir. Appelle-le. Oui. Donc, comment tu le vois là? Il est un petit peu en retrait. Il se sent un peu dépassé par ce qui est en train de se passer. Ben oui. Avec une certaine, un certain stress d'être laissé.
Alors justement, montre-lui le travail qu'elle est en train de faire et demande-lui s'il veut profiter lui aussi de cette occasion, Oui. Bon, très bien. Il m'autorise à lui donner un petit coup de pouce. Oui. Alors, on va éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui, tous les dispositifs et tout ce qui n'appartient pas à ses corps, sur tous les plans, dans toutes les dimensions, avec trace, mémoire et empreinte. 1, 2, 3. Tout le monde dégage. C'est fait. Voilà, il s'enracine, il se connecte à son essence, il regarde son arbre généalogique et son ADN, et il s'inspire du travail qu'a fait donc Jeanne jusqu'à présent et de ce qui va être fait. Et il s'approprie ce qui est bon et juste pour lui, avec tout ce qui a été dit et déclaré. C'est OK pour lui? Oui. On le retrouve pour la douche finale? Oui. Très bien. OK. Est-ce que tu vois que ce mari, est-ce qu'ils se sont connus dans d'autres formes de vie, existence? Il y a déjà eu des alliances dans des incarnations précédentes. Elles ont toujours été arrangées ou Ce sont eux qui se sont arrangés pour se retrouver Et pourquoi? envers et contre tout, parce que à plusieurs on est plus fort. Donc il y a une sorte de soutien. C'est comme s'ils s'étaient arrangés dans chaque incarnation pour être soit compagnons de cellules, soit dans les cellules adjacentes. D'accord. C'est une Donc analogie, mais ils ont arrivé à imposer ça au système matriciel alors. oui, c'est comme s'ils avaient réussi à influer sur les lignes d'incarnation, tout en finesse. D'accord. Très bien. Alors, on va passer à un autre point. Ben, c'est jamais réussi à passer l'étape au-dessus, c'est-à-dire à faire sauter le couvercle. Sauf aujourd'hui. Très bien. Alors, un autre point, elle a du mal à jeter. Regarde d'où ça lui vient. Le fait qu'elle a du mal à jeter des affaires qui sont encombrantes et dont elle n'a plus besoin. C'est une façon de... Il y a deux éléments différents en fait qui entrent en ligne de compte. D'une part, c'est une façon pour elle de s'intégrer, de s'ancrer sur ce plan terrestre dont elle sent qu'elle ne fait pas partie, dont elle se demande ce qu'elle fait là. Donc, il y a quelque chose de rassurant. C'est comme des éléments de mémoire qui sont manifestés dans le physique et qui sont comme des points d'accroche. De légitimité d'être ici présente dans cette vie physique. Ce sont comme des témoins de son existence sur le plan physique et de sa légitimité à être ici. D'accord, et quoi d'autre alors? Le deuxième point. Et le deuxième point vient des arachnoïdes qui trouve, elle, leur équilibre dans le désordre, l'encombrement, la poussière, la saleté. C'est-à-dire que chaque fois où passent ces arachnoïdes, il y a des choses qui prennent la poussière, qui s'installent, qui... quelque chose qui ne bouge pas, qui reste, c'est comme un nid, ça leur sert de nid. Donc un bon ménage de printemps, ça ferait peut-être pas de mal. Oui, parce que ça enlève en même temps leur énergie. Tout ce qui est entassé de façon générale, hein, sur le plan physique.
Tout ce qui est poussiéreux, entassé, gardé, qu'on ne veut pas jeter, ça attire comme un aimant l'énergie insectoïde, et principalement des arachnoïdes qui y voient comme un nid pour leur énergie. Eh ben, on nous le saurons maintenant. On va savoir pourquoi on fait du ménage. Hein. On a peut-être une meilleure motivation. À moins qu'on aime les arachnoïdes, on remarque après tout. Si on veut faire un élevage, on sait comment faire. Ok. Bon. Sauf que quand ça a pris une ampleur, Ah ben. puisque tu sais, il y a des humains qui entassent, 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 jusqu'à presque ne plus pouvoir bouger dans leur logement, eh bien, ce sont les arachnoïdes qui prennent la place et qui repoussent l'humain jusqu'à l'éjecter, jusqu'à sa mort physique. Eh oui, bien sûr. Très bien. Bon, eh ben c'était fort instructif. On va couper avec ça, on va passer à autre chose. Oui, c'est lourd. On verra si après ça, Jeanne aura du mal à acheter. Alors, elle a acheté une maison dans laquelle il y a donc des locataires. Et regarde cette maison sans donner d'informations. Connecte-toi à cette maison et dis-moi comment tu la sens. Y a un vortex noir et elle a été dirigée vers cette maison comme une annexe pour pouvoir capter d'autres essences humaines. C'est un piège. Donc les gens qui vont dedans, hop, ils se font capter, c'est ça? C'est ça. Et parasiter, Oui, interférer. oui. Très bien. D'où est-ce qu'il vient ce vortex noir alors? Comment il est créé? À l'origine, il est naturel et c'est sur une faille naturelle qu'est venu s'installer ce dispositif de vortex noir. Mais c'est une faille au départ. D'accord. Mais le vortex noir, pourquoi il est noir? D'habitude, un vortex, c'est pas noir. Qu'est-ce Parce qui lui a donné cette coloration? qu'il n'est pas naturel. Ah! C'est les entités qui l'ont créé. Oui, sur la faille, qui elle est naturelle, la faille. Très bien. Ok. Donc, on va créer une dalle déjà, sous cette maison. Une dalle suffisamment épaisse, avec des évacuations sur les côtés, pour que l'énergie ne stagne pas. Et qui vont s'évacuer en dehors des habitants pour ne polluer personne. Oui. Voilà, tu vas programmer cette dalle pour rester pérenne et que plus rien ne puisse passer en termes d'influence du sol. C'est fait. Ce vortex est toujours là? Il est étouffé. Voilà. Alors on va l'éliminer complètement. Allez, à 3. 1, 2, 3. C'est bon, il n'est plus là. Très bien. Bon, après on fera l'harmonisation enfin avec sa maison. Hein. On fera tout en même temps. D'accord? Ok, bon, c'est la fin de sa liste. On va continuer le protocole. Oui. Et. Donc, on va couper et désactiver le numéro d'INSEE partout où il se trouve, avec duplication copier-coller. Elle ne garde que ce qui est bon et utile pour elle. 1, 2, 3. C'est fait. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang, dans le corps d'une autre personne, d'autres personnes, des ongles, cheveux et ADN, etc. Sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes les dimensions, toutes les fréquences, tout espace-temps et bulles de création. 1, 2, 3. C'est fait. Couper, désactiver et éliminer donc tout ce qui est à l'intérieur de ces corps, subtil et physique, tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine, qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires. Donc le sens est déjà fait, mais allez, 1, 2, 3. Oui.
couper, désactiver et éliminer également toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour de son corps. 1, 2, 3. Il n'y a plus rien. Très bien. Activation du diamant du cœur. Avec fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. Oui. C'est bon. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre. C'est fait. Installer un programme de continuité et d'équilibrage de ce qui vient d'être fait. Oui, c'est fait. Processus de rajeunissement. Donc, activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique. Oui. Activation des fonctions d'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines, vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle du rajeunissement et de la régénération. Oui. Et maintenant, elle va programmer cela donc pour être permanent et en équilibre. C'est fait. Très bien. Guérison instantanée. Donc partout, toutes les parties du corps qui en ont besoin, à commencer par son œil, hein, par ses yeux, et tout le reste, tous ses organes-là. Donc elle place sa conscience dans l'espace morontiel. Oui. Elle fait descendre les informations, l'énergie et les codes jusque dans là où les parties bloquées ou à réparer. Ah oui, c'est fait. Activation de l'arbre séphirotique dans les deux sens. Oui. Placer fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activé. C'est fait. Très bien. Donc, on va faire le processus, le lifting, le boom lifting. Donc, elle prend des cellules souches. Oui. De l'eau primordiale. Oui. Fleur de vie, graine de vie et double lemniscate activé. Oui. Et elle s'enduit des cheveux jusqu'aux orteils. Et toi aussi? C'est fait. C'est vivifiant et calmant en même temps. Voilà. Ça tend la peau, ça efface les rides, ça repulpe, ça réhydrate. Enfin bref, une peau de bébé quoi. Très bien. Et elle programme ça aussi. Donc, elle le programme pour être permanent et donc avec un curseur qui se régule en fonction enfin des équilibrages nécessaires. Oui. Et pour toi aussi, bien sûr, puisqu'on y est. Hein. Alors, maintenant, on va regarder ton ADN. Tu vas me dire combien est-ce que tu vois de brin d'ADN de connecté? Elle en a installé 9. Très bien. Il y en avait combien avant la séance? 6. Elle peut en installer d'autres? Non, parce que ça créerait une comme une surcharge ou un déséquilibre. Très bien. Alors dis-moi ce que ça va faire de plus pour elle. Ça la maintient en fait dans cet état fréquentiel où elle est en sécurité, sur sa base, en sécurité, libre et en connexion avec son soi supérieur. Très bien. Combien est-ce que tu vois de temps d'intégration pour cette séance ?
entre 6 et 8 mois. 6, 8 mois. Très bien. Est-ce que tu auras des effets immédiats ou rapides? Il y a des remous, il y a beaucoup de remous, comme des vagues, tu sais, avec des douleurs qui vont et qui viennent, des sentiments de mal-être, et puis à nouveau de bien-être et d'expansion, comme si tout allait s'enchaîner à un rythme assez rapide. Jusqu'à finalement trouver un équilibre dans la stabilité et le bien-être. Très bien. Donc dans la tempête, hein, des douleurs et du mal-être, tu te souviendras que c'est normal. D'accord? Ok. Donc sérénité, hein, observation extérieure, accueil et pourquoi pas gratitude, ça facilite. Très bien. On va enrouler cet ADN. Elle va enrouler son ADN avec un filet d'énergie issu de sa source, double spirale, aller-retour. Oui, c'est fait. Très bien. Alors, on va maintenant regarder son domicile. Oui. Alors, regarde comment tu le vois. C'est comme s'il y avait une sorte de luminosité étrange, mais qui ne vient pas de cette dimension-là, et qui sert en fait d'observation. Par quel mécanisme est produit cette luminosité alors? Il y a une ouverture entre les plans. Il y a plusieurs ouvertures entre les plans, en fait, comme des passages. Ok, elle va faire un gros vortex et elle va tout fermer. Et elle nettoie tout en même temps. Allez. Un énorme vortex qui va fermer toutes les ouvertures et les protéger. C'est fait. Et elle nettoie tout. Mur, plafond, sol, meuble, objet. Tout se nettoie et se purifie. C'est fait. Est-ce que son domicile est lui aussi situé sur des désordres géobiologiques ou énergétiques? Il y a une faille en dessous aussi, oui. Elle aussi, décidément. Donc pareil, tu fais la dalle avec les évacuations que tu programmes. Oui, c'est fait. Très bien. Il n'y avait pas de vortex? Non, le vortex était nécessaire parce que c'était une activation à distance. Mais là, elle est sur place, donc il n'y a pas besoin de vortex. Très bien. Donc, elle fait la même chose pour sa maison. Elle nettoie tout et elle va installer partout fleurs de vie, graines de vie, plaques Tesla et Dolendiscat. Donc, pour être au domicile. C'est fait. Très bien. Maintenant, elle va regarder son compteur. C'est un Linky, ton compteur, ou pas? Oui ou non? Linky, non. Alors, sur les deux compteurs, on place un gros diamant qui transmet l'énergie électrique en force de vie. Oui, c'est fait. Sur les diamants, on dispose fleurs de vie, graines de vie, double niscate activée. Oui. Et maintenant, elle va remplir son espace à elle de sa propre énergie. Oui. Sur les deux domiciles, non, le sien parce que l'autre, on ne va pas interférer. Sur son domicile, on met un boîtier qui va filtrer l'air. Les nanotechnologies et produire l'effet Niagara avec un son et un parfum qui vont se moduler en fonction de ses besoins. Il y a un son très cristallin, léger,
Mais il n'y a pas d'odeur particulière. Il y a juste ce son très léger. Très bien. Ok. Donc maintenant, on va mettre son domicile dans une bulle christique. Oui. Elle et son compagnon aussi. Oui. Et ses enfants, s'ils sont là. Oui. Très bien. Alors maintenant, pour terminer cette séance, on va programmer toutes les protections de tous les différents états de conscience. Oui. Pour la métabolisation, on va relier le début et la fin de la séance. Oui. Elle va créer une bulle de l'état actuel et une bulle de la fin de la métabolisation, qu'elle va faire se superposer, fusionner, s'expanser et rayonner. C'est fait. Et dans cette bulle, on y inclut donc sonde élémentale, qui est totalement partie prenante du processus, sur tous les plans. C'est fait. Ok, eh bien on va appeler son soi supérieur et lui demander ce qu'il pense de ce qui a été fait. Le mot qui vient, c'est correct, alignement, rectitude, justesse. C'est ce qu'il transmet comme information. Très bien. Est-ce qu'il veut... Il a un message particulier pour elle qui l'écoute? Par rapport à la partie physique, il lui dit qu'elle a fait le nécessaire et que c'est comme si elle avait quelque chose à faire, cette partie physique, de rester vigilante à se brancher uniquement sur des énergies pures, c'est-à-dire non interférées. Et il faut qu'elle apprenne à faire la différence entre ce qui est l'énergie qui vient, les informations qui viennent de son soi supérieur et les copies qui tentent d'être faites en permanence. C'est pas seulement avec elle que ça se passe, mais avec tous les humains et qui sont issus d'égrégores. Aiguiser son discernement, donc. C'est ça. Eh bien, si elle voulait une mission de vie, elle l'a. Très bien. Regarde son âme, comment tu le vois, comment tu la vois. Elle flotte. C'est une onde, je l'aperçois comme une onde qui flotte librement avec elle. Très bien. Bon, ça va être la fin de la séance, avant le retour et la douche finale. Et donc, on va les saluer et laisser continuer leur chemin dans cette nouvelle ligne de temps, ce nouveau partenariat et dans cette nouvelle version donc de Jeanne. Et nous allons redescendre nos fréquences. C'est bon. Nous réancrer et créer l'équilibre. Oui, c'est fait. Régénération. Oui. Allez, tu vas respirer l'énergie des atomes de l'air et celle des particules de lumière. Tu peux sentir toutes ces énergies, tu te concentres dans ta bouche en particulier. Tu respires également les particules d'adamantine qui s'infusent par toutes les parties de toi. Tu peux sentir leurs énergies sur tous les plans. Tu te connectes au soleil central, à la grille cristalline et magnétique.
Et tu peux activer l'implant neutre et tu peux sentir en toi, autour de toi et sur toi toutes ces énergies. Te sentir t'expanser, ravigorer. Oui, c'est fait. Et vibrer et frétiller. Oui. Très bien. Ok, ben alors on va appeler tout le monde pour la douche énergétique. Chacun trouve son portail et sa cascade. Donc les enfants, son mari, etc. Et chacun va trouver, donc être sous cette eau des très hautes fréquences qui est faite de son, de lumière, de couleur, d'énergie, de rayons, donc parfum et géométrie et aussi information originelle. Et chacun peut ressentir cette eau à l'intérieur, sur et autour de soi. Et Oui. l'apprécier pleinement. Oui, c'est bon. Dans la cellule mère de chacun, fleur de vie, graine de vie, double lemniscate activée. Oui. On termine par la douche christique, or, diamant et bleu. Ah oui. Chacun va sortir de son endroit, fermer le portail derrière soi et retourner à sa place respective. Oui. Es-tu prête pour le retour? Oui, c'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Emmanuel. Comment vas-tu? Bien. Bien ancré, bien revenu. Oui. Bon, allez, à nous Jeanne, si tu veux remettre le son. Ah, super. Super, super. J'ai appris beaucoup de choses, que je devais sentir intérieurement et bah, disons que ça met les choses en place. Et c'est vrai que ce déséquilibre permanent fait que c'est des hauts et des bas permanents également. Donc l'épuisement, c'est tout à fait ça. Tout ce qui a été dit me parle vraiment, quoi. C'est vraiment, ça me parle réellement. Par contre, tout à l'heure, vous disiez, pour ce qui était de ma sœur, elle a été initiée Reiki aussi. Elle invoque le Christ, Marie, tous les êtres ascensionnés. Donc, Oui, là, dans le fait de dire les ben égrégores, je me justement, dis. eh ben oui, quand tu invoques ça, justement, tu te branches sur la matrice, c'est tout matriciel. Donc, là, pour éviter ce problème-là, que ce soit pour elle ou pour moi, comment il faut faire? Faut demander à sa source, qu'uniquement ta source, que uniquement les parties de toi issues de ta source. Tu as des parties angéliques, tu as des parties archangéliques, mais que de ta source, tu vois? Il n'y a rien ni personne d'autre, faut préciser, rien ni personne d'autre. Que de ma source. D'accord. Parce que quand on se sollicite des êtres extérieurs, que ce soit Jésus, Marie, Joseph, en fait, on ne reconnaît pas le pouvoir en soi. Et on leur donne des permissions, puisque c'est un système matriciel. Donc, tu es forcément parasité. D'accord. J'ai appris beaucoup de choses en plus. Voilà. Donc, uniquement de ta source. Tu as toutes les. Tout est en toi et tu as toutes les capacités. Donc il faut, voilà, faut te connecter simplement à toi. Et À toutes tes parties. c'est encore plus puissant en fait. Et ben oui, et Moi, toutes tes parties multidimensionnelles, voilà, que issues de ta source et rien ni personne d'autre. Il voilà, faut bien le préciser, hein. d'accord. Oui, non, moi c'était plus l'énergie divine originelle. Moi c'était plus direct. D'accord. Moi je Mais suis comme tu étais extrême déjà alors. interf. Comme tu étais déjà interféré, que c'était tout dévié, de toute façon, même Ah si oui, tu ça change déclarais pas grand-chose. ça, bah oui. Maintenant, tu vas pouvoir. Super. Super. Et il y avait donc là, comme vous disiez tout à l'heure, la faille sous la maison. Je l'avais ressentie une fois quand j'étais dans mon lit où je me sentais aspirée sans arrêt Voilà. par ce qu'il y avait en dessous. Ça Et m'est arrivé voilà. une fois où je n'ai pas pu dormir de la nuit parce que je me sentais réellement aspirée par ce qu'il y avait en dessous Et et j'étais sauvée. voilà peut-être pourquoi la nuit tu dors pas justement et que tu cogites sans cesse. C'est peut-être dû à ça. Tu verras, tu nous diras. Hein? Donc là, il y avait aussi une question. Faut discerner, comment discerner les énergies? Comment je fais pour discerner si c'est un égrégore ou si c'est pas un égrégore? Comment c'est pour discerner? Ah, ben, au niveau de la qualité énergétique, hein, tu ressens des choses. Tu sens si ça te donne de Oui. la joie ou pas. Si ça te donne de la joie, c'est que c'est bon. Si tu as l'impression que ça te restreint, que ça te. Quand tu te sens moins joyeuse, tu vois, enfin, etc., ou tu as des peurs derrière ou des sensations désagréables, c'est que c'est pas bon. En fait, ton corps est un outil de perception. D'accord, juste les ressentis.
Ah ben oui. Tu sais dans quel type d'énergie tu es connecté. Quand c'est de l'énergie qui est issue de ta source, c'est forcément expansif, ça te donne de la joie, de l'enthousiasme, ça te fait pétiller. Et puis si c'est pas ça, ben c'est que c'est pas bon. D'accord, ok. L'énergie qui vient de ta source, en fait, elle est très fine, très subtile, très légère et très énergisante. C'est la plus fine et la plus subtile. D'accord, merci, merci, Voilà. merci, Tu merci. as ressenti des Super. choses pendant ta séance? Tu as eu des sensations? Disons que ça a fait des vagues, j'avais le cœur qui s'emballait, qui est redescendu, et il a fait va-et-vient pendant toute la séance. Mais en sensation réelle, non, mais le Ah cœur, lui, bah c'est ça, c'est oui. ce que j'appelle des sensations. C'est Oui. des voilà, et puis il y en a qui ressentent rien, ce qui ne veut pas dire que rien ne se passe. Il y a des gens Oui, plus non. sensibles que d'autres, donc toi ça s'est traduit comme ça. Oui. Non, non, Très bien. je sentais suivant les moments où je sentais s'emballer, je me disais, tiens, puis oui, en fait, c'est ce qui, à chaque fois qu'il m'arrivait, qui était bon, quoi. Oui, non, Alors super. n'oublie pas pour la métabolisation, hein, tu vas avoir des effets désagréables, tu te rappelleras que c'est normal, hein. D'accord? Hein? Non, mais du Voilà. moment que je ne me retrouve pas à l'hôpital aux urgences, ça me suffit. Hein. Bah, il faut seulement que tu aies confiance et puis bon, bah, il se peut que tu sois très, très, très pas bien, tu vois. Et si tu es très pas bien, tu acceptes, tu accueilles. Et puis si vraiment tu sens devoir aller à l'hôpital, bah, vas-y. Hein. Mais voilà, en tout cas, ne dramatise pas le truc, quoi. Surtout pas. Aie Non, 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 non. confiance, accueille-le, célèbre-le, remercie. C'est ça la bonne attitude. Hein. Puisque là, le corps, la biologie se met en place, ton élémental fait son boulot et voilà, ça passe par ces phases-là. Je suis une nature optimiste, hein, donc quand je suis pas bien, je me dis demain j'irai mieux. Donc ça me console dans le sens de demain Très j'irai bien. mieux. Ok, Donc et là c'est vraiment le cas cette fois. Hein? oui, Si c'est formidable. avant c'était pas vrai, maintenant ça va l'être. Super, super. Je peux pas demander mieux là. Vraiment, Bon, merci. donc je Contente. te conseille de revoir ta vidéo, la revivre, la ressentir, prendre de l'information. Hein? Voilà, c'est Oui. Donc important. pour la revoir, je fais comment alors? Bah Parce déjà, que elle là. sera sur Skype, mais tu m'autorises à la publier? Oui, en flûté. En flouté, hein. Donc déjà tu pourras la revoir dans quelques jours. Et puis là sur Skype, tu la vois en petits morceaux, donc tu la récupères et tu la visionnes tant que tu veux. Hein? D'accord, je ne connaissais pas Skype, alors c'est pour ça que tout à l'heure j'avais dit que je vais Voilà. l'enregistrer. Tu verras que quand on va raccrocher, tu verras qu'il y a plusieurs morceaux de vidéo. Tu n'as plus qu'à cliquer dessus. D'accord, Voilà. super. Bon, Merci, merci merci. Manuel. Merci à Emmanuel et puis merci pour ta confiance. Hein? J'aime Et comme tout. à bientôt. Tu donnes des nouvelles dans quelques temps, hein, dès que tu sens Ok. que. D'accord? Dès que je Donc, remonte. voilà, Super. dès que tu sens que c'est le moment, tu me fais un petit coucou, tu m'expliques ce qui se passe, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change, hein, ce que tu D'accord. ressens. D'accord? D'accord. Donc, par Oui, SMS ou par mail, c'est le plus simple. d'accord. Merci à Ok. toi et à bientôt Merci, alors. merci beaucoup. Au revoir. Merci et à Au revoir. bientôt. Allez, au revoir. Merci, Manu. Au revoir.